reste trois matchs pour pas finir troisième. C'est quoi cette tête derrière? Ça, c'est ma tête quand j'ai vu Vitinha titulaire. Vitinha, les gars. Vitinul, Vitignoble, qu'est-ce qu'il est nul, on s'est fait baiser les gars. Oh Vitinha avec son dégradé au coupe-ongle, il est venu à Marseille pour baiser des meufs les gars, c'est la vérité. Il a fait plus de TikTok que de bons matchs depuis qu'il est là. On va compter sur des valeurs sûres, Alexis Sanchez, l'élu du peuple marseillais, l'homme providentiel, l'homme qu'on attendait. Si on va en Ligue des Champions, c'est grâce à lui, grâce à Sanchez, grâce à Under, les gars. Mais pourquoi il faut pas arriver troisième? Vous savez, à chaque fois que l'OM joue un match décisif, on passe à travers. On n'arrive pas à gérer la pression. C'est pour ça qu'il nous faut absolument cette deuxième place. La troisième place, les gars, et attention à ce qu'il y a derrière. C'est un dessin animé que j'ai mis pour mon fils. Je crois qu'il s'appelle Gino Dana. Voilà, mon fils, il profite de regarder la télé, les gars. Voilà. On ne sait jamais si je la casse ce soir. Il le sait, mon fiston. Quand il y a un match, toute la journée, il se met devant la télé. Voilà, il se dit, allez, je regarde chaque dessin animé comme si c'était le dernier. C'est un truc de fou. Je sais pas s'il y a des parents, vous aussi, les gars. Au début, quand le bébé est né, tu dis quoi? Mon fils, la tablette et la télévision à partir de 6 ans. Ouais, pas de télévision, pas de téléphone. Voilà, les gars. Maintenant, mon fils face à la télé, avec une tablette à la main gauche, un iPhone à la main droite. Voilà, avec des lunettes du métavers sur les yeux. Voilà, les gars, Futuroscope. Le fiston, c'est Futuroscope. Ah, c'est dur, les gars. Voilà. Il n'y a pas le choix, il fait hello au restaurant, les gars. Il me fait remarquer au restaurant. Tu crois que je vais faire quoi? Ça suffit! Non. Tu veux jouer, mon fils? Ouais, tu veux quel jeu? Tiens, voilà. Je suis une victime. J'assume. Voilà. Soir, match décisif. C'est plus le LOSC, c'est le LOST. Ils vont être perdus sur le terrain, les gars. C'est plus le LOSC, c'est le lorsque l'OM se déplace à l'extérieur, on est injouable, on est imbattable. Ce soir, on prend les 3 points sans difficulté. C'est fini Lille, c'est plus un bidonville, c'est bidon Lille, ils sont bidons. Ils étaient un peu bons à l'époque où il y avait Eden Hazard, mais maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Et demain, les gars, le RC Lens qui vont jouer à l'Orient, le Moyen-Orient, le Moyen-Lorient. Ils sont moyens, c'est vrai. Mais il y a un atout. Il y a Bamba Dieng. C'est Bamba Dieng qui va donner la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Et va célébrer ça en faisant le Sinjoul. La vie de ma mère, les gars, ça va être incroyable. Ça commence par ce soir, les 3 points. Et demain, Bamba Dieng finit le tour. Alexis Sanchez, je le voyais top 5 Ballon d'Or. Il n'est même pas top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais quelle honte, les gars. Mais quand je vois des Valentin Rongier qui déclare, ouais, Alexis Sanchez, il nous crie dessus, c'est un joueur qui est exigeant. Moi, ce que j'aime bien avec Sanchez, c'est un joueur qui est exigeant avec lui-même, les gars. C'est la marque des grands joueurs. Les grands joueurs, c'est vrai qu'ils sont exigeants avec leurs coéquipiers, mais avant d'être exigeants avec l'équipe, ils sont exigeants avec eux-mêmes. Regardez la saison d'Alexis Sanchez, les gars, regardez. Il était présent offensivement, défensivement, des efforts de dingue, des buts incroyables, chaque but décisif, chaque but, il compte, les gars. Oula, vraiment, la team, faut mettre le paquet pour prolonger Sanchez. Le PSG s'intéresse à lui, les gars. Mais vous savez pourquoi le PSG veut Alexis Sanchez? Pour le mettre sur le banc, comme ils ont fait avec Atem Ben Arfa. Je vous cache pas que j'ai un peu honte. Oh là, c'est la chouma totale. J'ai commandé ça il y a 3 semaines. J'étais sûr de mon coup, les gars. J'étais sûr de la remontada de l'OM. Regardez, les gars. Le trophée de Ligue 1, la réplique. Putain de merde. On n'aura jamais l'original, nous. Oh là. À jamais les premiers. Jamais on sera premiers. Jamais, les gars. L'année prochaine. Hein. Oh là, tous les ans, on dit ça. Oh là. C'est... Wow, regardez, les gars. On n'a pas le droit, nous. Nous, on n'a pas le droit, nous, d'avoir... Oh là là, les gars. Oh, putain. Pourquoi on n'aurait pas le droit à ça, les gars? On mérite tellement les meilleurs supporters, le meilleur stade, cette ferveur, ce
Peuple marseillais, oh là les gars, on mérite. Qui mérite plus que nous? Cette saison ou jamais. Le PSG n'a jamais été aussi nul. L'OM n'a jamais été aussi fort. Toutes les planètes étaient alignées, les gars. Je voyais déjà les images. Je voyais déjà Dimitri Payet qui était là avec ses enfants. Il était là, il faisait la tournée du terrain, du stade. Il remerciait le public. Il montait sur l'estrade. Il soulevait un trophée. Il va se soulever. Oh là, il va rien soulever du tout, les gars. Oh là, dégoûté, là, Payet. Ah, Payet, c'est ça un trophée. On n'a jamais vu. Regarde. Il est lourd, les gars. Je crois que c'est l'original ou quoi? Oh là, il est incroyable. Oh là, les gars. On ne mérite pas, nous, ça. Regardez, les gars. Imaginez Payet comme ça. Champion! Imaginez l'émotion. Imaginez comme le Roi Lion quand il soulève Simba. La même, les gars. La même. On mérite. Oh là, quel club mérite avoir ce putain de trophée, les gars. J'en suis sûr que cette saison... Il y aurait eu Payet titulaire, on serait arrivé premier, les gars. Voilà. Là, vous avez vu que Payet, ce soir, il a été encore écarté, soi-disant, à l'entraînement. Tudor a annoncé à Payet qu'il n'allait pas être titulaire et Payet, il s'est mal comporté. Il faut le comprendre au bout d'un moment, les gars. Voilà. Déjà, toute la saison, Payet, il n'a pas joué. Toute la saison, Igor Tudor, il a fait des feintes à Payet. Il a fait s'échauffer, voilà, juste pour le faire maigrir. Il le fait s'échauffer pendant une demi-heure, et vas-y, rassis-toi. Au bout d'un moment, quel joueur peut accepter ça? Un joueur peut accepter d'être sur le banc. Par contre, d'être sorti du banc, de s'échauffer et de le faire se rasseoir, personne ne peut supporter ça. Et malgré ça, Payet, il a gardé le sourire. Voilà, le peu de temps où il a joué, il s'est appliqué. Il a joué la semaine dernière, il a marqué. Et là, tu fais quoi? Tu le mets sur le banc. Voilà, tu veux l'achever, tu veux le démoraliser. Tu es en train de tuer son mental à Payet. On veut profiter. Isaac, c'est l'heure de l'entraînement. Ça, magnifique. Vas-y, Zouzou. Nul, oula, t'es nul, mon fils. Ça, magnifique. Putain, c'est pas possible. Oh là, il est bipolaire ce mec, les gars. Oh là, schizophrène. Oh là, je comprends pas. Oh là. Putain. Hein, oh là, je. Première fois de ma vie, je le vois concrétiser une action, les gars. Oh là, je vous parle sérieux. Incroyable. Merci, Jonathan. Allez Sanchez, voilà! C'est l'élu du peuple, ce mec! Lui, il n'est pas dans le top 5, lui! Lui, il n'est pas dans le top 5! Top 5 Ballon d'Or! Quelle légende! Toujours là, j'ai misé en plus! Incroyable, Sanchez! C'est incroyable, Sanchez, les gars! Qui peut s'asseoir à la chaise de Sanchez? Non, Balerdi, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il n'y a rien du tout. Incroyable, Alexis. Regardez, les gars, regardez-moi ça. Redoutable attaquant, limite hors-jeu. Pouah, mais c'est incroyable. Mitroglou, il ne faisait pas ça, Mitroglou. Wallah, il ne faisait pas ça, Germain. Vitinha, il sait pas faire ça, les gars. Toute la saison, on s'est fait baiser. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais craquer, j'en... Quoi? Il y a quoi, là? Il y a quoi encore? C'est qui? C'est Turpin encore? Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est pas possible! Serait tellement injuste, les gars. Non! 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 C'est tellement injuste! Oula! Mais la vie de ma mère, mais
quelle injustice! Quelle injustice avec son gilet pare-balles là, putain! Non, les gars, non! Non, pas le coup de grâce! Paul Lopez, il est nul, Paul Lopez! T'es nul! Non, les gars, non! Les amis, c'est la catastrophe pour l'Olympico de Marseille, pour l'Olympique de Marseille, qui peut s'en vouloir avec ce but à la 60e minute refusé de Sanchez refusé. Donc l'OM peut s'en vouloir et le LOSC qui a pris l'avantage, voilà. Le LOSC qui a pris l'avantage à la 72e minute. Donc je crois que c'est mort. C'est mort pour la Champions League, pour l'OM, je pense. À moins que Lens perde ses trois prochains matchs. Là, ils partent en déplacement à Lorient. Et qu'ils perdent les trois prochains matchs. Et que l'OM gagne un de ces deux matchs qui va suivre. C'est la seule solution. C'est mort. C'est mort, mais bon. C'est comme ça. Donc, ils peuvent s'en vouloir vu que l'OM a ouvert le score. Ils étaient même à... Bon, il y a eu l'égalisation. Sanchez qui redonne l'avantage 2-1. Voilà. Je pense que l'OM peut s'en vouloir énormément. J'ai mis le maillot du Maroc, là. Amin Harit n'a pas joué non plus. Guendouzi, il était sur le banc de touche. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Amin Harit, il sort d'une longue blessure. Mais Unai aussi, il aurait une blessure. Mais depuis son transfert cet hiver, il n'a pratiquement pas joué un seul match. Demi-finaliste de Coupe du Monde. Ouais, Payet, c'est quand même bizarre quand même. Ça reste quand même un gros élément, on va dire. Elle était pas mal, la blague. On a volé la voiture à Payet. C'est une voiture hamburger. Elle était pas mal, la blague. Mais bon, les Marseillais, en ce moment, ils doivent moins blaguer, moins rigoler, parce que là, ils voient que le destin n'est déjà plus entre les mains de l'OM. Que ça soit clair, si Lens gagne ses trois prochains matchs, bon, ils vont jouer à Lorient, Lens. Donc, Lorient, ils ont bien gagné le PSG. Ils peuvent faire quelque chose, je pense, contre Lens. Donc, Lens se déplace à Lorient. Et Marseille, il ne reste que deux matchs à jouer, là. Deux matchs contre trois contre Lens. Donc, et pour le titre, voilà. Pour le titre, là, ils sont à 7 points du PSG qui compte un match en moins. Voilà. Mais bon, ils sont à 9 points de l'AS Monaco, voilà. Et dans le bas du classement, je vais regarder aussi dans le bas du classement. Bah, il n'y a pas... Waouh, Nantes en position de relégable, c'est étonnant. Le FC Nantes, finaliste de la Coupe de France. Souvent, ça arrive qu'on donne tout à la Coupe de France et on délaisse un peu le championnat. Auxerre sort la tête de l'eau. Nantes, en plus, ils ont un match de moins que Auxerre, que Brest. Ajaccio... C'est cuit aussi, je crois. Non, Ajaccio, c'est pas cuit. Il leur reste un match de plus. Ouais, c'est cuit. Pour Ajaccio, 3. J'ai confondu le nombre de matchs joués et le nombre de points. Pour Ajaccio, 3 et Angers, c'est mort. Ils seront relégués. Il y aura un championnat à 18 clubs donc l'an prochain. Peut-être, je pense pas que Messi il va rester. Peut-être l'an prochain, l'OM peut faire quelque chose. Si avec tout l'effectif qu'ils ont, ils n'ont même pas besoin vraiment de trop recruter, sauf s'il y a quelques départs. Mais je pense que l'OM peut faire quelque chose si Messi part. Neymar, je pense qu'il va partir aussi. Pogba, je crois, il va rester. Et Hakimi, tout ça, je crois qu'il va en rester aussi. Pas sur Hakimi, il a été annoncé dans d'autres clubs. Peut-être le recrutement de Hakim Ziyech. Parce qu'il y a deux clubs, Fenerbahçe et comment ça s'appelle, Beşiktaş, qui font les yeux doux à Hakim Ziyech, qui devait aller au PSG. Donc... je ne sais pas pour la saison prochaine. Je ne sais pas du tout pour la saison prochaine. Mais ça peut être intéressant pour l'OM pour la saison prochaine. De confirmer encore une fois. Mais là, c'est un coup moral s'il ne joue pas la Champions League. Même s'il ne joue pas la Champions League, imagine. Voilà, la C3. La Coupe d'Europe, l'autre coupe, elle est beaucoup plus accessible. Voilà, il n'y aura pas des Real, il n'y aura pas des Man City, il n'y aura pas des Bayern, il n'y aura pas... ouais, je pense que ça serait beaucoup plus accessible. L'OM qui est déjà arrivé en finale de C3. Voilà pour mon débrief. Voilà, donc dommage pour l'OM. Ils peuvent avoir des regrets sur quelques matchs avec tout ce qu'a perdu le Paris Saint-Germain depuis son élimination en 8e de finale. Ils peuvent nourrir des regrets, mais bon. Lens, ils ont charbonné. C'est le cas de le dire, Lens, ils ont charbonné. C'est le pays du charbon. Ils ont charbonné, comme on dit, voilà. Tout simplement. Donc,
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Naz06 premier sur les actus, les infos, le foot et les influx. Tchuss. Et là, il va y avoir des propositions de vidéos qui vont s'afficher. Là, il y a en dessous, en haut, la dernière vidéo. Voilà. Tchuss.